Bienvenue sur la chaîne Rétro Gaming à l'arrache. Et aujourd'hui, on a un retour de quelqu'un. J'avais dit qu'il allait revenir dans notre équipe. Et le revoilà. Donc, présente-toi, invité, Mister. Ah, salut à tous, c'est Florent. Donc, je suis le retour sur le test de Dragon Ball Xenoverse sur Xbox One. Mais je suis pas servant avec Xbox One. Alors faut parler fort, sinon on nous entend pas. Je sais. N'hésite pas de parler fort. Donc voilà. C'est toi qui fais le test, moi je connais pas le jeu. Donc on fait la présentation du jeu, donc voilà, bon c'est Dragon Ball Xenoverse qui est sorti au mois de février 2015 sur console next-gen, fait sur 360 et PS3. Et donc voilà, c'est carrément un changement d'univers Dragon Ball. Voilà, donc on va faire un petit combat en présentation. Donc tu veux mettre quoi, Mika? Allez, fais contre Freezer pour voir, parce que c'est le prochain film qui va sortir. D'accord. Alors j'ai... Tac, tac, tac. Bon, on va mettre... Pas Freezer, voilà, on va commencer. Donc, ouais. Allez, vas-y. Donc Xenoverse, donc en fait, donc le jeu, on a un guerrier, donc on a le choix entre 5 races de personnages. Donc les Majin, on connaît tous, c'est Boubou. Après on a les Freezer, on a les Saiyan, les Terrien et les Namek. Donc on a le choix entre ces différentes races là, donc ça influe sur le jeu, on aura plus ou moins de pouvoir. Et donc en fait, Xenoverse, donc on est dans le monde de Toki Toki. Donc c'est un monde parallèle et on a un guerrier du temps, donc on revient dans le temps parce que le temps est modifié, ça modifie la saga et on fait tout pour éviter justement que les modifications de la saga. D'accord. Donc on, par exemple là c'est, comment ça s'appelle, Freezer, on voit qu'il a été pris par les forces du mal, des nouveaux méchants qui justement veulent changer le temps, changer l'histoire du monde de Dragon Ball. D'accord. Donc là on peut voir... Il était déjà méchant d'avance. Ouais. Mais là il est encore plus méchant, on peut le voir à ses yeux. Et donc là on voit que... on revient après que Son Goku a son combat contre Ginyu. Donc Ginyu, tout ça. Ouais, Ginyu. Enfin, on voit les 5 soldats de... Les 5 soldats de Freezer. De Freezer. Donc là on voit Trunks qui est partisan du temps. Et en fait on voit que dans l'histoire là, Son Goku, il arrive, il est... Dans la machine là, qui refait les trucs, la machine spéciale qui refait les combattants, Son Goku il est sorti avant parce qu'il a senti que Sangwan allait se faire tuer par Freezer. Or ça se passe pas ça dans la série. Ouais, non mais il arrive après de toute manière. On se rappelle que c'est Piccolo qui arrive pour sauver Sangwan. Et donc t'as créé un personnage. Et donc j'ai créé un Saiyan. Donc, parce que je suis fan de Vegeta. C'est mon personnage préféré dans le jeu. Donc là on va passer un petit combat, je vais passer. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on se bat en équipe. C'est un Tenkaichi en fait. On peut se balader où on veut. Graphiquement, tu trouves ça comment? Ah, j'adore. Allez, beau. Ouais, c'est beau graphiquement. Voilà. Et donc, voilà, ça change un peu. Donc, par exemple, moi, mon maître, c'est Vegeta, donc il m'apprend des techniques. Sans les présents trop tout à l'heure, et sinon j'ai débloqué le Kamehameha et le Canon Garrick. Or ça on pouvait pas avant. Le Canon Garrick c'est l'attaque de Vegeta. En fait tu fabriques ton bonhomme. Voilà, on fabrique notre bonhomme de A à Z. Alors est-ce que t'as le tournoi et tout ça dedans? Ouais, tu fais les tournois, tu peux jouer en ligne. Et t'as combien de persos en tout à peu près? En tout, il y a tous les personnages de la saga Dragon Ball Z. Ouais, mais ça te fait combien? Je ne sais pas, je ne les ai pas encore débloqués. Donc il y a deux nouveaux ennemis. Ouais. Pardon, les hommes de Freezer, vous sont oui, et tout. Oh, ouais. Ouais. Et des personnages de film, non? Ou pas? Normalement, si je ne me trompe pas, il y a Broly, sûr. Normalement, il y a quelques personnages du film, des films. Ouais, je vais essayer de regarder. Je peux voir comme ça. J'ai plusieurs attaques, donc on va les voir. Et là, j'ai réussi. L'angle de vue, il change, hein. Ça change des autres joueurs à l'angle de vue. Ça, si tout le monde se rappelle, c'est l'attaque que Vegeta utilise contre. Comment il s'appelle, le rouge, la Jesse. De l'homme de Freezer. Donc,
peut voir carrément que ça change hein, l'univers de DBZ, donc on voit plusieurs. Voilà, il y a tout le monde qui est mort. Hein. Je vais essayer de remédier. Par tout contre, ça. Tu voulais en envoyer une salve, le décor il se pète pas. Ah, il y a certains décors qui se pètent. Certains décors qui peuvent se péter. Là, il y a un mode histoire qui se met. Voilà. Donc là, on peut voir. Et là, par contre, regarde ce que j'aime. Ce que j'aime pas trop, c'est directement, il se transforme en forme finale. C'est un peu vraiment. D'habitude, il fait ses deux formes très très moches. Que t'as dans la version PS2, dans le Widow Play Tantage 3. Bah, dans tous, hein, sauf dans celui-là, bon, il se transforme directement. Voilà, donc là, il a tué Vegeta. On voit que l'histoire elle change carrément, mais de fil. En fait, on vit une autre histoire de DBZ, c'est ça bien. Donc ça va jusqu'au bas ou ça fait tout jusque... Après, j'ai pas vu plus loin parce que j'ai pas trop le temps de jouer. Voilà, mais sinon. Enfin, parce que je suis très... Par contre, la musique, on l'entend pas fort. Voilà. On entend beaucoup de bruitage, mais la musique de fond, on l'entend pas. Ah, c'est parce que j'ai dû la régler pour pas qu'on l'entende. Ouais. Ça perturbe un peu. J'aime bien jouer dans mon petit calme. Non. Et là. Tu peux mettre un zeste de musique pour qu'on voit un petit peu. Ouais, que je regarde dans les options. Et puis tu le remets aussitôt. Là, on l'entend. Là, on l'entend. Ouais, c'est moyen. Par contre, j'ai mis le doublage en japonais. Ouais, c'est moyen. Parce que le doublage en japonais. Donc après, bah, dès ce combat-là, je quitterai, je montrerai un peu l'univers de, justement de Toki Toki. Ah ouais. Parce que cool. Là, on a Sangoku qui arrive. La maniabilité est comment? J'aime bien. Bah... Vas-y, explique toutes tes touches. Allez, joue. Alors, bah, en fait, c'est... LT, c'est pour le déplacement rapide. Donc après on appuie sur RT, on a différentes comme on voit en bas. Si on appuie sur O et qu'on charge, on va faire un Kamehameha, c'est parce que j'ai mis le Kamehameha. Là j'ai mis la charge d'énergie en B. RB c'est pour les verrouillages des ennemis. X c'est pour comment dire. C'est pour les coups de poing. Y c'est pour les boules de feu. Et le O c'est pour les esquives. Et LB, donc c'est pour bloquer les attaques. D'accord. Oh, ça j'adore. Mais. Mais. Ce que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'il faut se connecter. Mais je reste quand même peut-être sur le vidéo, quand même. C'est bizarre, ouais. Hein. C'est bizarre. Ça ressemble. Non. Malgré qu'il est beaucoup plus vieux. Hein. Le système avec tous les personnages qui sont autour en train d'attaquer, c'était une idée qu'ils avaient récupérée sur le jeu Saturn. Il y avait déjà... on était déjà deux ou trois contre un seul personnage dans la version Saturn. En DBZ. Mais moi j'ai pas trop été ce temps-là. Moi j'ai commencé sur DBZ Dragon Ball. Après ça n'a rien à voir, hein. Graphiquement c'était pas du tout le même. Ouais. Mais sur l'idée des trois personnages contre un, il y avait déjà. Non, Final Boot, donc là je vais quitter parce que je vais montrer un peu l'univers. Je vais montrer un peu l'univers de... Ouais, vas-y. Moi j'avais commencé sur Final Boot sur PlayStation. Je peux même vous expliquer les... tout le truc, hein. Donc, il y a un monde, c'est un monde... Toi voilà, tu connais. Comme on voit. Donc là ça fait un petit peu plus RPG, hein, comme ça. Ouais, voilà, ça ressemble beaucoup à Dragon Quest. Je sais pas si tu retrouves. C'est le dessinateur des personnages. Regarde bien, on dirait vraiment Dragon Quest avec rien que les images de fond. Tu vois qu'ils sont un peu original. Du coup, on peut rentrer dans le monde. On a un monde carrément. On voit que c'est un grand. Est-ce qu'ils ont glissé Akira Toriyama dedans? Tu sais pas. Est-ce qu'ils ont glissé son personnage? Je sais pas encore, si j'ai pas été assez loin pour savoir. C'est un petit bonhomme avec une tête de robot. Non. Ah, la fille là. Non. Non, le créateur de Dragon Ball en fait. Par contre, donc là on a des quêtes parallèles. Tu vois, bah, on revit des histoires mais en faisant des quêtes parallèles. Qui nous donnent à la fin des. Alors j'ai vu, repart, t'as des soldats de Freezer, j'ai vu.
Lambeau, ouais. T'as, tu peux même les contrôler. Ah ok, ça donc c'est là, cool, pour l'instant, ouais, il y a plein de persos en fait. Il y a plein de persos. En fait là les persos, bah, je vais pas maintenant encore lancer parce que bon on fait des vidéos courtes. Donc en gros, bah, il m'en manque pas mal. Ouais, il m'en manque pas mal. Donc là t'as le chat, Sangoku, Sangohan petit, Piccolo. Et donc il y a les différentes costumes. Mm-hmm. On peut voir. Tu vois, il y a même Sangoku en guise. Dans la version. Ouais, quand il. Voilà, quand dans, quand il prend le corps de l'île. Ok, après. Tu vois, il y a même. Bon, là, c'est les... 17, tu vois, t'as il est dedans. T'as deux freezers, je vois, t'as normal et énergie. Et la forme finale, puissance maximale, c'est comme les deux sels. Ah, ouais. C'est pas. Le sel là, c'est quand il revient. Comment quand Sangoku le téléporte sur le monde de Kaioshin et qu'il explose là-bas. Et après, il revient parce que bon, il a les cellules de Piccolo, donc il arrive à revenir. Et après, c'est là qu'il acquiert le pouvoir de Sangoku de téléportation. Parce que les cellules, elles ont été explosées avec. Toi, là, t'as même les cellules juniors. T'as quelques soldats de Freezer. Donc, au fur et à mesure, ça se débloque. Je pourrais pas te dire combien il y en a. T'as même des Yamcha. Allez, vas-y. Continue sur ta lancée. Donc, voilà, bon, je vais pas faire un truc. Donc après on peut carrément personnaliser son personnage de A à Z. On peut lui mettre des tenues, donc là je peux le montrer. Donc je vais leur modifier l'équipement. Donc là bah je peux mettre le Piccolo. Ouais, t'as plein de tenues des autres personnages avec, de Dragon Ball qui peuvent t'inspirer. Voilà, exactement. Voilà, et donc après bah. Donc là il y a les quêtes parallèles en ligne et après il y a les quêtes parallèles en ligne. Et donc quand on joue en ligne. Bah on peut justement avoir d'autres personnages qui vont venir avec nous. Et pour nous aider dans les quêtes. Bah là t'as plein d'ennemis là. Bah là non, c'est des guerriers du temps. Tu vois, il y a différents guerriers du temps et aussi. Bah là on peut reconnaître. Je sais pas si tu l'as reconnu. Si tu peux me dire c'est qui. Ça c'est. Attends, c'est celle qui souhaite avec le père de Sangoku. Voilà, alors c'est la mère de Sangoku. C'est la mère de Sangoku qu'on voit mère. Dans un OAV justement. Je ne sais plus c'est quel. Non, on la voit pas dans. C'est pas la mère de Sangoku. Si. Non. C'est la mère de Sangoku. Non, c'est pas la mère de Sangoku. Dans l'OAV avec le père de Sangoku quand il s'est tué. Bah c'est avec le premier. Non, on la voit pas dedans. On la voit encore dans un autre. Non, elle a été dévoilée il n'y a pas longtemps dans un dessin de Toriyama. C'est pas elle. C'est pas elle. Elle a été dévoilée dans un dessin de Toriyama sur Facebook il n'y a pas longtemps. Donc là, en fait, on peut acheter, tu vois, les équipements donc, pour personnaliser son personnage. Bon, là, t'as tout un monde. Là, j'ai vu qu'il y avait le masque du grand-père à Sangoku, en fait, Sangohan. Ouais, ça, tu peux les débloquer au fur et à mesure. Ah. Donc là t'as les vêtements, donc, comme tu peux voir, là c'est la tenue de Sangoku lors du premier tournoi, qu'on voit contre Raditz. Parce qu'il y a le logo. Après il enlève le logo sur Nam. C'est quand ils changent de maître, hein, les logos sur les kimonos. Donc là t'as les boutiques de technique, donc là on peut acheter différentes techniques. Donc tu vois le coup du météore, le Kaioken. Que après tu peux utiliser par la suite dans le jeu. Donc tu peux vraiment faire un perso de A à Z. Si t'aimes bien Vegeta, tu peux mettre toutes les attaques de Vegeta. Et si t'aimes bien Sangoku et Vegeta, tu peux mettre justement les attaques de Sangoku et faire un personnage qui ressemble fortement à Vegeta. Ah ouais. Et t'as plusieurs, plusieurs trucs. Donc là on peut voir aussi, bah, ça illustre un peu. Tu vois les Namek. Bon bah voilà, t'as des Namek. Là ici, bah, c'est les... Je sais pas c'est quoi. Les Freezer. Ça ressemble fortement aussi, regarde, ça ressemble fortement. Justement, elle était partisante justement des armées de la planète Vegeta et on la voit avec Nappa sur une planète, en train de détruire une planète dans le WAV. Ah, j'ai peut-être pas vu. Moi je l'ai vu. Moi je me rappelle fortement. Mais j'ai pas vu l'OAV où on voit le frère Vegeta déjà. Mais moi je les ai pratiquement tous vus sauf les derniers. Parce que bon, j'ai pas vu le dernier quand j'ai vu avec le personnage le loup. Non, c'est pas un loup, c'est le chat. Ouais, le chat, je sais pas quoi. Je croyais que ça ressemblait trop à Pokémon à Lucario. Moi personnellement, dernier film, enfin l'avant-dernier film, parce que le dernier film c'est Freezer, bon j'en parlerai peut-être dans une séance pop-up,
Tout le monde le dégringole, mais moi j'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal. Je peux pas te dire, j'ai pas envie. C'est quand il revient, c'est ça. L'OAV que tu parles. C'est un dieu. Oui, en or. En or. Non, ça c'est avec Freezer. C'est le prochain film qui va sortir. C'est le prochain film qui va sortir. Mais avec le chant, j'ai bien vu. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu. Donc après, t'as les tournois. Si je me trompe pas, c'est là-bas. Bah en fait, sur internet, tous les films se font dégringoler. Je sais pas si t'as remarqué, mais niveau critique, tout, n'importe quel film se fait déboîter. C'est parce que maintenant, c'est plus ça avant Dragon Ball, c'était. Non, mais pas que Dragon Ball, n'importe quel film. Là, t'as des championnats du monde, donc que je montre un peu, hein. C'est vraiment, j'ai pas envie de spoiler l'histoire à quelqu'un. Voilà. C'est vraiment pour montrer l'univers, quoi. Ça a vraiment changé. Tu vois, t'as même des. Voilà, t'as le Shenron au-dessus. Bah allez, mets-moi une shot note là-dessus. Fais-moi une shot scène d'action, puis on va noter ça. 16 sur 20. Hein. Un 16 sur 20. Ouais, pour les graphismes. Alors, les points négatifs. Donne-moi des points négatifs, là. Alors, les points négatifs, c'est les combats. Kekfu, ils sont trop durs. Ouais. Je trouve que même. Même en mettant en facile, les combats sont trop durs parce que. Si t'as. En fait, c'est assez répétitif. Tu joues toujours la même. Faut que t'ailles faire des quêtes parallèles parce que t'as des niveaux. Si. Quand, avec les niveaux, au fur et à mesure, tu vas pouvoir augmenter tes attributs qui sont ici. Donc les attributs, voilà, donc tu vois là, je sais pas, la santé, le ki, l'endurance, mais je trouve qu'il y a des personnages, c'est assez souvent de ne pas pouvoir les toucher directement au corps à corps, il n'y a pas encore assez de corps à corps, mais je lui donne quand même un bon 16 sur 1 parce que ça me refait aimer Dragon Ball sur Next Gen, parce que je sais pas, le dernier j'y ai joué vite fait et j'ai pas du tout aimé. T'as pas accroché. Non. Ok, moi j'ai pas joué donc je donne pas mon avis comme d'hab. Je suis un rétro gamer, tu le sais bien. Ouais, les mecs gênent, je joue pas trop. Mais t'aimes bien quand même. Là, t'as bien aimé, ça t'a donné. Franchement, c'est moche. Avoue que c'est moche. Ouais, ça, c'est un boubou. C'est un boubou, mais. Boubou en or. On dirait que c'est un haricot. Et donc, là, t'as les terriens. Ouais. Bon, allez. Dis au revoir à rétro gamer. Ouais, au revoir. Allez. À l'arrache. Ah, encore à l'arrache.